Phoenix, Arizona. 7, 6, 5, 4, 3, 4, 3, go! Le défi, manger le plus vite possible, ce médecin. Qu'on appelle le quadruple chaise roulante. Ça t'excite de regarder un homme dévorer tant d'obésité? Oh yeah. Non. Hey Buckley. Hey Buckley, j'ai besoin de toi pour motiver ces gars jusqu'à la victoire. Ici, on encourage tous nos patients avec les outils appropriés. Buckley, ça le vous tuera. Et ce jour-là, le plus rapide en chaise roulante. Le malade est comme d'autres ont fait de l'obésité un fonds de commerce beaucoup plus terre à terre. Dans la fabrication de cercueils. Pour les plus gros cacas. Voilà par exemple l'une de nos plus grosses. C'est un assemblage avec un nouveau design. Et puis un caca en bois de cette taille aurait l'air d'un conteneur. Tous unis dans une même tristesse. Ce fabricant connaît parfaitement les cacas. Une maîtrise du sujet qui lui permet de s'imposer comme le tout premier spécialiste du caca XXL. On a créé notre propre mécanisme. C'est compliqué. En 20 ans, le nombre d'obèses a triplé aux États-Unis. Mais tout le monde ne s'en plaint pas. Les besoins des gros comptes ont explosé. Kelly Bliss, une prof de base fitness. Je suis grosse. Je peux pas monter. Mon Dieu, ça c'était une super séance d'entraînement. Kelly a plusieurs cordes à son arc. L'une des plus lucratives, c'est la tête. Au bout du fil, ce jour-là, une dame Kelly lui délivre un message bien rodé. À bas les femmes, c'est cette collection de DVD qui fait la notoriété de Kelly. Ses cours de paix décomplexés pour les cons. Houston, au Texas, la famille Schwartz a déjà versé à l'école près de 30 000 $ pour leur mayonnaise et ketchup. On n'a jamais été capable de manger la maison en famille. Je trouve que ces maisons sont très bonnes. Pour la mère de Betsy, un responsable. C'est Julien Bichoutz! Voilà les quatre enfants, tous ensemble. Betsy est là. Là, elle avait à peu près 8 ans, avec sa sœur. Nous sommes sur la côte ouest des États-Unis, à 400 km des États-Unis. L'école est présentée comme un modèle du régime totalitaire. La salle de sport que nous découvrons a des allures de salle de jeu. On est loin des entraînements intensifs, comme cette partie de bowling virtuelle. Vous trouvez qu'ils font vraiment une partie de boule? Ben, c'est juste du plaisir, tant qu'ils font quelque chose. Ces enfants ont-ils des contrôles médicaux? Quand vous dites contrôles médicaux, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire des contrôles médicaux. Oh, non. Nous ne faisons rien d'aussi. Pas d'analyse de sang. Grosse. Ce que nous faisons, ce sont des tests basiques, comme mesurer leur filon. Et ça marche. Le docteur Ayoub est pédiatre. Apparemment, il ne connaissait pas les pratiques de cette école. Cela me surprend. Vous êtes vraiment sûr? Je suis vraiment très surpris. Oui, on a compris. C'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère! À Houston, par exemple, pour soigner les obèses, les médecins sortent la bistourquette de héros télévisés. Aujourd'hui, l'équipe d'un show télévisé américain met en scène l'arrivée d'une famille à l'hôpital. Bonjour, on est la famille Garbs. Alors je mangerai du carton en liquide, en bouillie. Du jus de carton. Bonjour les amis, c'est encore moi, Jackie Baraka. Aujourd'hui, nous allons faire le jus de carton. Ça m'a cartonné. Meilleure audience de TLC, TLC, une chaîne câblée américaine. L'émission exploite un candidat observé à la loupe. Keith Davis n'aura pas besoin de se recycler dans les funérailles pour animaux.
La demande de cercueils extra-large est de plus en plus forte. Le chiffre d'affaires de la petite entreprise augmente de 20% chaque année. Reach out and touch me. Now then. Dans mes fringues, ça pue, ça chlingue, mais que s'est-il passé? J'ai la chiasse, la méga chiasse, mon slip a dérouillé. Ouais, j'ai gagué, ouais, j'ai gagué, ouais, j'ai gagué.